Famille, Kalla nous vient en aide. Le pays est braqué. La Guinée est prise en otage par des prédateurs économiques. Ils ont chanté ici, insulté, humilié les anciens dignitaires, parlé de détournement. Mais nous voyons tous, nous les Guinéens, l'économie guinéenne, qu'on reproche tout au président Fakonde. Mais l'économie guinéenne, nous savions tous où elle était avant le 5 septembre. J'espère que beaucoup n'ont pas vu l'article de Latif Diallo. Je vais lire pour vous l'article de Latif. Les bandits à col blanc enfin démasqués. Quand la justice de Dieu tard a agi, c'est qu'elle est que partie chercher le bâton pour châtier les coupables. Le 15 janvier. 2024, j'ai publié un article intitulé Transition ou braquage. Plus d'un milliard de dollars du régime bloqué à Dubaï. Cet article dénonçait un détournement de fonds impliquant les bandits à col blanc. Karamou Kaba, gouverneur de la Banque centrale, et Moussa Sissé, ministre de l'économie et des finances au moment des faits. Aujourd'hui, directeur général de la SONAP. Ces deux censures prédatrices de l'économie sont à l'origine de l'inflation et ont mis à genoux l'économie guinéenne par des actes ignobles et gravissimes. Moussa Sissé et le gouverneur de la Banque centrale ont imprimé en secret des billets de plusieurs milliards et les ont injectés sur le marché. C'est pourquoi il y a un moment donné, beaucoup disaient qu'il y, y avait des nouveaux billets sur le marché. Voilà. Une partie de cette somme a été bloquée à Dubaï malgré leurs nombreux voyages aux Émirats. Leurs arguments n'ont pas convaincu les autorités pour qu'ils puissent récupérer cette somme gigantesque. Aujourd'hui, Moussa refuse de rentrer au pays malgré l'insistance du co-général. Il parle de général Bandi Amara Kamara, qu'il a même suspendu pour insubordination. Ces mêmes individus continuent à détourner des milliards à la SONAP. Écoutez, hein, en complicité avec certaines banques primaires et des cambis, lorsqu'ils veulent acheter du carburant, Moussa a besoin de devises à la Banque centrale. Le gouverneur remet alors les devises à un cambis pour en prétendant officiellement qu'il a manque de devises. La Sonap se tourne donc vers le cambis qui a reçu 80 millions de dollars du gouverneur. Imaginez hein? c'est que au lieu d'aller prendre l'argent la, les devises en dollars à la banque, eux le gouverneur prend l'argent, il donne à un cambis. Maintenant Moussa qui doit acheter le carburant, l'essence est obligé de partir, mais suivez la suite. Si le taux de si le taux de la banque centrale est de 8 000 francs guinéens, le directeur central de la SONAP paye à 9 000 francs au Cambis. Ce qui veut dire qu'ils empochent ainsi 1 000 francs guinéens par dollar. Imaginez 1000 francs par dollar et on parle de 80 millions de dollars. Donc, sur 80 millions de dollars, cela représente plus de 30 milliards de francs guinéens. Chaque fois que le DG de la SONAP doit acheter, c'est qu'eux, ils se font plus de 30 milliards de dollars. Euh, non. Ah, à la Bajikoui, de francs guinéens. Deux bandits à col blanc se partagent à chaque opération d'achat de carburant. Ce sont les mêmes corrompus qui ont acheté les carburants toxiques à vil prix, empochant des millions de dollars. Ce carburant a endommagé nos véhicules. Vous étiez tous témoins de ça ici. Lorsque ici c'est Abdoulatif qui parle. Hein, Lorsque j'ai publié l'article sur les milliards bloqués à Dubaï, les deux prédateurs, Moussa Sissé et Kramo Kaba, ont d'abord tenté de me soudoyer pour que je retire l'article. Vous avez entendu? Quand il a mis ben, si tu ne te reproches de rien, pourquoi avoir peur et dire à quelqu'un d'enlever l'article? Voilà. J'ai refusé. Le même jour, le lundi 15 janvier, ils ont porté plainte contre moi. Et le 17 janvier, la HAC m'a suspendu pour neuf mois. Mais au neuvième mois de ma suspension, la vérité a éclaté enfin au grand jour. Ces corrompus, ces prédateurs économiques, nous les combattrons jusqu'au dernier souffle. Latif, journaliste d'investigation, très très indépendant. Chapeau à vous, monsieur Abdoul Latif. Voilà. Raison pour laquelle. Aujourd'hui, les médias sont fermés dans le pays. Les bandits à col blanc, les gangsters, on vient, on nous parle de grief. Maintenant, les supporters du CNRD. Ça, ça, ce n'est pas... Ça, ça ne vous choque pas Aujourd'hui, le pays traverse des crises. On parle d'inondation. Nos routes aujourd'hui, regardez le taux d'accident. Le taux d'accident, c'est tant si là. Ça dit, l'État n'existe même pas. C'est pour vous dire, quand je dis des voyous, ça fait mal à certains, mais c'est un groupe de voyous parce qu'ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne sont pas là pour le peuple de Guinée. Ils sont là pour se remplir les poches. C'est un groupe de bandits. Famille, ils sont allergiques aux critiques. Quand on dit la vérité, ça les fait mal. Mais quand tu gères la chose publique, si tu n'aimes pas les critiques, tu dégages, tu fous le camp. Ou vous faites ce que le peuple demande. Maintenant, on dit Moussa Sissé, il est allé du côté où se trouve, parce que le bandit n'est pas encore rentré. Il paraît que ce demain, le bandit rentre. Donc, euh, le fanfaron de Amara aurait convoqué, ils sont tous des bandits, et Amara a acheté une maison du côté de Gessiaport à près de 2 millions. La cour qui a coûté à 800 000. Ça, c'est près de 3 millions. Lui, Amara va demander qui Comment un voleur peut demander un voleur Comment un chien, mon chien Comment un voleur peut demander des comptes à un autre voleur Amara, il faut nous dire toi la maison que tu as achetée là. Il faut les maisons plutôt, au plus vert. Les maisons que vous achetez là, vous prenez l'argent où Non, mais franchement, ces gens-là, c'est de n'importe quoi. Hein? Et voici la photo du gouverneur de la Banque centrale, le nommé Moussa qui est là. Voilà. Hier, yeah, on a dit ici que non, les anciens dignitaires, c'est rentré, c'est sorti. Ils ont insulté les anciens dignitaires ici. On les a qualifiés de tout. On les a qualifiés de tout. Mais franchement, la honte, la honte est en train de s'abattre sur eux. Bon, la famille, euh, c'est ce qu'on vient de voir, l'explosion d'un véhicule autour du, du, du palais. D'abord, on dit explosion autour du palais. On dit il y a d'autres même qui ont pissé sur leur qui ont pissé sur leur pantalon là-bas. Tellement que c'est des peureux qu'il y a un militaire qui a garé sa voiture, si c'était des munitions ou quoi. Et le véhicule, il y a eu, l'explosion. Comme je vous ai montré en image, voici l'image qui est là. Voilà l'image euh, du véhicule en question. Vous voyez. Donc les soi-disant confort spécial, quand ils ont entendu pom pom pom, pourra, Au commando, il nous fallait rentrer au parce que eux ils viennent. Mentalité que les Autant, totédi a dit, nous aura prime de 2 millions, 10 millions, nanana autant. Mais les patriotes, là, eux, ils viennent pour libérer le pays. Et ils corriger très bien. Ça dit, ils vont très bien vous corriger. Si vous pensez que non, c'est vos c'est vos tenues là qui vont impressionner les gens. Non, 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 non. Ce n'est pas vos tenues qui vont impressionner les gens. Ce n'est pas vos tenues qui vont impressionner les gens. Donc, on vous prévient dès maintenant. Petite explosion là à côté. Je sais que si le bandit Mamadi Doumbouya, lui, il était là-bas, il allait voler. Parce que quand lui, il entend seulement boum, il panique. Explosion grossière. Et panique, il en un déroulis et un déroulis fou Force un Il y a un déroulis fou et Formation. Force spécial, spéciale, force spéciale. Bruit tout. Bruit. Bruit. Bruit sur bruit. Voilà. Bruit sur bruit. Rien d'autre. Et actuellement. <laughs> eh? Non, mais la Guinée. La Guinée va biradi. Actuellement, ils sont en train de chercher les gens. Comme Mamadi doit venir. Vous venez, on vous donne des t-shirts, on vous donne 100 000. Eh? Pardonnez-vous, on a un jour 100 000 francs guinéens. Ce n'est pas petit. Negé Wamakabri Tongofeu Siga ou Kobri Tongofeu. Un jour 100 000 francs Osigawa hein? Tongo. Là, je sens vraiment que. Je sens vraiment que non. La Guinée-Bara c'est C'est NRD. Et t'as un bandit, le bandit Mamadi Doumbouya, s'il doit rentrer, tellement qu'ils ont tous peur. Ils, sont, ils ont personnalisé la chose publique. Ils ont personnalisé la chose publique. Voilà. Euh. Oscar Delta Na journal parlait Nike donc mo kombite ma journal donc il faut attendre c'est qui fait TikTok ma Yakoslak si je vais sur TikTok c'est grand les mains attends court tariam garba men Bon famille euh, c'est le national. le CNRD C'est vous qui avez dit ici que vous allez organiser la Coupe d'Afrique Les autres ont eu l'obtention ils avaient mis des comités. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Depuis que vous êtes venus. Vous n'avez rien fait. On ne peut pas reprocher. D'ailleurs, ce n'est pas sous le régime d'Alpha Condé qu'on qu a retiré l'organisation. Eux, ils se sont battus. Ils ont obtenu l'organisation. Maintenant que vous, vous avez dit. Qu'avec la canne sans la canne. Que vous allez construire des stades. Même le stade de 28 septembre. Vous n'avez pas pu entretenir ça. Là, guine, ké, na, birin, la Guinée, c'est là que fini l'examen. Au moins présent, il faut qu'on le retarde. Match Biring, même la Sierra Leone venait jouer leur match en Guinée. Avant le coup d'État, Sierra Leone, une nous m'a fait un match bon, 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 bon. Nos clubs, là, en Ligue africaine, Ligue africaine, Ligue des champions, et Biring, nous avons un match bon. bon, 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 bon. Mais, il y a ce, ce, ce Camerounais. écoutez-le. Qui a raconté, qui c'est vanté qu'elle voulait organiser le Cannes 2025. Et vous vous rendez compte que, en Guinée, aucun stade n'est homologué, même pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le stade du 28 septembre, pratiquement, c'est un champ de patates et de surpoids. C'est là où il y a eu plus de 100 morts. Il faut même détruire cela. Alors la Guinée voulait organiser les Cannes Mais où Sans stade

Il y a un gros camion qui est tombé. Ça dit, on ne peut plus maintenant même parler d'accident. Ça, c'est récurrent maintenant. Chaque jour, il y a tellement les nids de poules. Actuellement, nids de poules partout aujourd'hui. Toutes nos routes. On ne vous dit même pas de faire de nouvelles routes. Hein, mais les routes actuelles, essayez de remplir les trous. Si l'État ne peut pas faire ça, quelle nouvelle route? Vous êtes venus vraiment trouver, les autres étaient là, la route nationale, tous ces grands projets, dans les quartiers, c'est les autres. Vous venez insulter. Walloy, oh je vous ai dit, le CNRD. Tant que vous ne respectez pas le président Alpha Condé, tant que vous ne respectez pas les anciens dignitaires, docteur Kassouli damaro docteur eh, eh, Diane, monsieur Oye Gilavogi, Ibrahim Krouma, tous les anciens-là, tant que vous ne les respectez pas, vous les humiliez parce que vous avez la force, vous les attrapez. Pendant ce temps, vous êtes en train de voler, vous êtes en train de réaliser. Wa loy al tabarakallah al la C'est pas kramor solo, kramor solo la doa ou oyez zerole à tes foies qu'elles nient. N'al kalamo balou bien. Vous respectez les anciens. Na obrakalé blatalko. Vous aurez ce barakal. Et c'est ce que là, ça n'a compté à faire. Vous d'abord, vous avez trahi. Ahaké. Ahaké maintenant la Ce sont toujours les fissilulombali, les ingrats qui disent qu'au destin. Quelqu'un qui se lève, qui tue des gens, il prend le pouvoir, que c'est son destin. C'est que ne priez pas. Hein? Vous pouvez vous coucher à la maison pour dire c'est mon destin, je suis. Je ne prie pas, c'est mon destin. Restez à la maison, ne travaillez pas, dites que c'est mon destin. Mamadi a fait le mal, il a eu le prix là, c'est ça. Quand tu fais du bien, il y a le prix aussi. Mais dire que le mal, que non, que c'est son destin. Je vous ai dit, c'est comme ça qu'on trompait les gens avant. C'est comme ça qu'on a trompé les gens depuis longtemps. Maintenant, aujourd'hui, la ville de Philadelphie, nous avons l'honneur de recevoir les candidats aux élections présidentielles. La vice-présidente Harris, elle est, est aujourd'hui à Philadelphie. L'ancien président, Donald Trump, ils sont tous à Philadelphie ce soir pour le grand débat. Voilà. Et lorsque des fanfarons sortent pour dire que Damaro a mal parlé, a insulté, je vais vous montrer ici. Sit his ass down, take his nap. Take your nap, Joe. Take your nap. Why do you want to run again in 2021? Vous entendez, non? Elle-même, là, elle soutient le parti euh, démocrate. C'est des activistes ici aux États-Unis. Elle dit ça à l'actuel président des États-Unis. Mais quand j'entends des, des, des comédiens, des guignols, aller s'asseoir, quand vous, vous allez parler, qu'on a dit Golo mais à Mamadi Doumbouya Franchement, il faut vous respecter. Hein. Ça, c'est aux États-Unis. Je vous montre l'exemple, là pour que vous calmez. Ça, c'est aux États-Unis. C'est des activistes. Eux, ils sont sur les réseaux sociaux aussi. C'est aux États-Unis. Ceux-là font des millions de vues parce qu'il n'y a pas fait de Internet ici. Les propos qu'elle elle a tenus là. Euh. Que Dieu nous aide. Hein. Donc, euh, famille, je dis merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, demain. On se reprend. Merci en tout cas à tous ces bons guinéens qui osent dénoncer ces bandits du CNRD. Nous devons tout faire. Tout faire pour que le bandit là ne soit pas candidat. Voilà. Donc, euh, merci à tout le monde. Et... Bon, j'avais même oublié. Je vais ajouter ceci. Il y a une fille. Il pas... y a une fille qui m'a bon, sur le téléphone qui m'a menacé, c'est-à-dire qui dit que moi, ma, moi, ma maman, elle, elle a fait un poste. Il y a des gens qui m'ont envoyé. Les gens, c'est-à-dire moi, je suis tellement victime de mes bienfaits. Une fille dont je parlais ici qui avait, détour... qui avait pris l'argent de Ali Touré, là, le procureur de la CRIEFL dont je parlais. Cette fille pensait que moi je ne la connaissais pas. C'est elle qui est sortie pour faire poste contre moi. Mais elle, elle pensait que tout ce que moi j'ai fait pour elle, elle avait fui pour aller en Sierra Leone. J'ai payé son transport, j'ai fait beaucoup de choses pour la fille. Mais il n'a pas, on n'a pas Men ma petit Iba raso gem nan rang kwi Nga falay be Mini isen dera ba Mwa jè toutè donè isi Fè bilin Ni masèmane lagne ke be Mwen gèk bete Engle genè ira fè mabè Ira eskro ya Men logo kere Logo kere Nta mouti ira ira bide Mwa jè pri mon arjan I garou Sa dina sèren fè Mwen gèk fè sèra leon